Je m'appelle Charlotte Grenier, je suis avocate et je suis présentement conseillère juridique chez Eurovia Québec, une entreprise qui œuvre en construction routière. Je suis impliquée dans le CDIP, donc le Comité de développement interprofessionnel et professionnel, depuis environ 3 ans et demi. Pour moi, le CDIP, c'est le comité le plus amusant, si je peux dire, parce que c'est celui qui sort le plus du carcan juridique. C'est notamment celui qui organise le cocktail interprofessionnel et la rentrée judiciaire. Bien, c'est sûr qu'au plan professionnel, le fait de s'impliquer, je crois que ça a vraiment une plus-value, notamment sur le CV quand on veut présenter une candidature, là, lorsqu'on veut changer d'emploi notamment. Puis au plan personnel, pour moi, c'est vraiment juste du plaisir. C'est de parler avec des gens différents. Oui, on parle de ce qu'on fait dans le comité, mais c'est aussi une occasion de parler de plein de sujets là, quand on se rencontre. Évidemment, je vais dire le cocktail interprofessionnel, considérant que c'est moi qui l'organise cette année, mais j'avoue que je prends vraiment plaisir à assister aux concours oratoires, aux différents concours oratoires qui sont organisés durant l'année, parce que moi, la plaidoirie, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais de voir des gens qui sont éloquents, puis qui présentent des plaidoiries sur des sujets vraiment variés, ça m'impressionne beaucoup. Donc pour moi, le jeune barreau de Montréal, c'est essentiel. Notamment pour la grande région de Montréal, mais également pour le reste du Québec. Je pense notamment à la clinique téléphonique du jeune barreau, donc qui permet aux gens de téléphoner, d'avoir des conseils juridiques gratuits. Je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie-là. Évidemment, la région de Montréal, c'est celle qui compte le plus de membres. Donc, je pense qu'il faut tracer la voie là, pour les autres régions.